Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'une nouvelle application qui s'appelle Lucky Miner. Donc en fait, Lucky Miner, c'est une application qui a plein de jeux. Alors je vais vous montrer. Ces jeux, ce sont des applications. Vous jouez à ces jeux et au bout d'un certain temps, vous obtenez des points, enfin des pièces, des coins si vous préférez. Vous voyez que j'ai un certain nombre de coins en haut et à un moment donné, je peux les transformer en bons d'achat. Amazon, iTunes, Zalando. Moi, en général, je fais plutôt des transferts sur PayPal. Je vais faire un petit test. Alors là, on voit qu'on peut retirer 40 centimes avec 3777. Sachant que quand on installe l'application, on a déjà 3000 points et quelques, on les... Ils accumulent très très vite, on peut retirer 40 centimes au bout le soir même ou même le lendemain. Moi je sais pas, je crois qu'en 2 jours j'avais réussi à retirer 1 euro. Là j'ai 13 778, je pense que je peux retirer 1 euro et peut-être oui, 40 centimes je pense. Je suis même carrément sûre, je viens de faire un calcul rapidement. Donc je clique là. Et je rentre les coordonnées PayPal. Bon, je vais éviter de le faire ici, parce que c'est des informations qui sont assez personnelles. C'est une application qui est détenue par une entreprise. Je crois que leur nom, c'est GmbH. Et en général, cette entreprise, elle a plusieurs autres applications qui fonctionnent sur le même principe, comme AppFlame, CoinPop. Ce sont d'autres applications que j'ai testées. Bon, je vais revenir sur l'application, j'ai juste une petite critique. Alors, vous remarquerez que plus on accumule des pièces, plus le temps il augmente. En gros, c'est assez dégressif comme fonctionnement. Au début, on gagne très facilement des points, mais plus le temps passe, plus on utilise ces jeux, et moins on gagne enfin, c'est beaucoup plus long à gagner des pièces. Donc c'est très bien au début si on veut retirer 40 centimes, 1 euro, mais après ça devient un peu plus compliqué. Et voilà, donc là ce sont tous les jeux que j'ai téléchargés qui sont sur mon écran de mon portable. Même sans jouer, en laissant l'application ouverte, j'accumule des points. Donc voilà, pas forcément vous laissez votre portable allumé et vous accumulez des points. J'ai un petit secret, c'est qu'il existe des applications qui permettent de tenir le portable allumé. En gros, moi je sais que mon portable est programmé pour rester 10 minutes allumé et après s'éteint automatiquement si je ne l'utilise pas. Et moi par exemple, je laisse mon portable fonctionner la nuit, j'accumule des pièces sans forcément jouer au jeu. Enfin, ça c'est une petite méthode. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous conseille d'utiliser cette application. En tout cas, celle-là, elle marche. C'est pas comme PlaySpot dont j'avais parlé dans une autre vidéo, qui est plutôt une application qui vise à arnaquer les utilisateurs. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas. Pour finir cette vidéo, je vous fais une nouvelle capture d'écran pour vous dire que j'ai bien reçu mes paiements. Là, j'ai déjà reçu 1 euro, donc c'est payé comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et j'ai une autre attente de paiement de 40 centimes qui est en cours, donc je vais bientôt le recevoir. Voici une petite preuve comme quoi ça marche bien.